Est-ce qu'on bénéficie aussi de... Tu parlais de l'aide donc de ces peuples exogènes. Est-ce qu'on bénéficie aussi de signes, de sortes de petits cailloux blancs, justement, qui nous montrent qu'on est OK, qu'on est bien sur ce chemin de la vérité? Comment tu l'appelais? Parce que ça me dit qu'on a des signes partout, on a des informations qui nous arrivent. Charge à nous de les voir, c'est ça? Oui, mais exactement, c'est ça. Celui qui ne veut pas voir, il ne verra rien. Et celui qui a le cœur ouvert, il les voit, il peut voir ces signes, il peut pas nécessairement les voir, mais il peut ressentir. Dans l'énergie de cette énergie de changement où tout est possible, où quand on a cette intuition que quelque chose va arriver, que c'est pas mettre de mots sur ce qu'on ressent, mais on ressent, on sent une énergie particulière.